sur une grosse flemme. Oui, on est sur une grosse flemme. C'est quand même vraiment, vraiment très, très cool. Voilà, j'ai fait toute ma phrase en double. De faire de la moto dans Paris, enfin, non. C'est pas ce qu'il y a de plus excitant, je vous l'accorde. Mais c'est quand même mieux que la voiture, hein, parce que bordel, si j'étais à leur place, je pèterais un plomb. Ah là là, devoir traverser Paris, y'a rien de pire, y'a rien de pire. Beaucoup de monde, je sais pas quoi. Ah, c'est la grève. Y'a les grèves des raffineurs, là. Du coup, demain, y'a plus d'essence. Demain? Ah, demain, y'en a plus, ouais. Sérieux? Ils ravitaillent plus, ouais. Là, c'est le moment ou jamais de faire le plein. Il y a tout le temps des gens qui se font avoir à ce feu-là. Parce qu'en fait, c'est juste un feu piéton. Oh, le clignotant, c'est avant, hein. Je suis pas rassuré parce que sur cette chaîne, quand je l'ai commandé, je savais pas. Mais c'est pas un Masterlink à rifter, c'est les attaches rapides. Alors, je sais pas si c'est bien ou pas bien. Il me semble que si j'ai bien compris ce que j'en lisais sur internet, c'est genre hyper pratique quand tu fais de la compète, surtout du dirt. Enfin, du off-road en tout cas. Bah, parce que ça te permet de changer la chaîne hyper facilement. Sauf que bah, je fais pas de dirt, je fais un tout petit peu de off-road, mais c'est du chemin quoi, c'est pas de la gadoue. Du coup la chaîne sale c'est pas trop un problème pour moi, et j'avoue que je serais beaucoup plus rassuré avec un maillon à rifter. Non je m'en fous elle, alors là elle je m'en fous, si je pouvais lui mettre du diesel je l'en mettrais. Non, la dernière fois, la dernière balade là dans le sud, je m'étais arrêté au Carrefour pour essayer de faire de l'essence. Bah là où on se rejoint, il y a une station essence Carrefour. Et j'y vais et en fait il n'y avait pas de 98. Du coup bah je me casse. Et là lundi, je reçois une facture de 97 euros. Ah ouais. Ouais. Je pense que du coup la pompe a pas fonctionné et il y a un mec qui s'est pointé derrière et qui a pu prendre de l'essence sur ma carte. Merde non. Si. Et du coup non j'ai pas fait opposition parce que ma carte elle a pas été volée, c'est juste que la pompe a pas fonctionné. En gros quand je l'ai reposée ça a pas annulé la transaction et fermé la pompe quoi. Et du coup je vais à Carrefour et ils me regardent, ils me voilà, vous venez pourquoi? Je leur dis ouais je viens pour me faire rembourser parce qu'il y a quelqu'un qui est passé derrière moi et qui a fait de l'essence. Et elle me dit d'accord, vous avez une preuve de la facturation, du coup je lui montre mon compte, 97,02€. Et elle me dit d'accord, vous aviez quoi comme véhicule? Je lui dis c'est une moto madame. Et elle me dit ah oui en effet 97€ avec une moto c'est un record. Je disais il a pas fait attention, il a oublié de mettre sa carte bleue, oublié de taper son code, oublié de prendre. ça fait beaucoup là. Putain, connasse! Sérieusement, c'est débile ce que tu fais! Tu veux double correctement, il y a rien à foutre que ce soit à droite, mais fais-le intelligemment! Ça, c'est un grappin, ça! Le grappin est notre maître! Alors, je suis d'accord, il a peut-être un peu coupé, sans regarder, etc., etc. Mais les gants! Sont où les gants? C'est important les gants! Si tu tombes, tu fais quoi? Tu mets tes petites mains? Non? Tu mets les gants! Ça sert à ça les gants, ça sert à te protéger en fait. Pourtant en fait, ils regardent tous les deux le zap de 100% moto. Bah, le téléphone. C'est pas le meilleur endroit pour être en panne, on va se le dire.
Vous voulez que je vous pousse? Ok. Je vous mets, à droite là. Oui, à droite. Bah, enfin, c'est vous qui conduisez. Oui, reste au volant, reste au volant. Retirez le frein à main. En fait, ils avaient pas besoin de moi. Non, allez-y, allez-y, encore, encore, encore. À droite, à droite. Continuez, encore, encore. Et là, prenez le parking à droite. Je vous en prie.